J'ai hâte que la bataille commence. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une grande course aujourd'hui. Des champions du monde dans des voitures fiables, beaucoup de pilotes en pleine forme et probablement quelques stratèges dans les stands qui feront tout pour faire la différence. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen et une Williams, Perez, Ocon, Hülkenberg et Romain Grosjean, Kvyat, Sainz, Sébastien Vettel et Palmer, Magnussen, Massa, Fernando Alonso et Stoffel Van Doorn, Wehrlein et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. You qualified higher than we were expecting, so see if you can keep this position in the race. Strategy.
2 seconds. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici nos trois vainqueurs qui montent sur le podium.
Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? Sébastien Vettel, sans hésiter. On lui a reproché d'être incapable de conduire au coude à coude avec ses concurrents. Il vient de donner tort à ses détracteurs. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Ferrari se hisse au sommet du classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.